J'espère que vous allez bien. Alors, on va traiter un sujet un peu sensible aujourd'hui, donc faites attention à vos commentaires, hein. Donc, on va demander un peu ce qui se passe en Angleterre, hein. Vous avez entendu parler des émeutes, des milliers de personnes qui manifestent contre les migrants, voilà, suite à la mort de trois petites filles innocentes. Donc, je ne vais pas revenir dessus, hein, vous avez certainement dû en entendre parler. Et donc, eh ben, les Anglais, ils ont dit ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol avec l'immigration. Et ils se retournent contre les migrants et notamment contre les musulmans, en fait, hein, tout simplement. Bon. Alors, moi, je n'expose que des faits, hein, d'accord? Alors, on va demander un peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces émeutes. Est-ce que ça a été orchestré? Est-ce que ça va durer? Sur quoi ça va déboucher? C'est très violent. La police, eh bien, est très violente elle aussi contre les personnes justement qui manifestent contre les migrants. Il y a des violences contre les mosquées et contre les hôtels, pardon, hébergeant des migrants. Je suis en train de lire, hein, parce que je n'étais pas trop au courant au niveau des détails. C'est malheureux quand même parce que l'ennemi, pour moi, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. L'ennemi, il est beaucoup plus haut. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, hein. Ça ressemble un petit peu à monter les gens les uns contre les autres, notamment au niveau des religions. Mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe donc en Angleterre? Alors là, j'ai des lieux de culte. Des maisons. Bon, bah c'est peut-être que ce que je viens de dire d'ailleurs, parce que j'ai dit qu'il y avait des émeutes contre les hôtels dans lesquels justement se trouvent des migrants et contre les mosquées. Donc ça peut être ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces émeutes? On va voir ce qui sort. Je prends mon oracle. On va prendre plusieurs jeux, hein. Alors, les émeutes en Angleterre. Des feux, des explosions. C'est pas que les feux d'artifice, c'est des explosions. Les enfants. L'administration. Un vœu réalisé. Ok. Alors là, j'ai l'intelligence artificielle. Les robots. Bon. Il y a de la manipulation par rapport. Alors, les enfants, bah, moi, je verrais bien les petites filles. Hein. Ok. La police, oui. La police qui sort. Là, il y a des. C'est un vœu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a de la manipulation de la part des élites. Voilà. La fameuse carte de numéro 3. Voilà, le numéro 3 dans Umbrella Academy. D'ailleurs, il y a la dernière saison sur Netflix. Cette personne qui s'appelle Allison, eh bien, a le pouvoir de persuasion. C'est intéressant, hein? C'est pour ça que j'ai choisi la carte, le pouvoir de persuasion. Donc là, on persuade les gens de penser quelque chose ou d'agir d'une certaine façon. Mais attention, c'est secret. Donc moi je pense que c'est le vœu de personnes mal intentionnées, riches et célèbres, qui pousse les gens à se conduire comme ça. Donc ça ressemble à de la manipulation. Ici, vous avez des mesures administratives ou des mesures officielles. Voilà, avec le tampon, le cachet là. Des mesures officielles par rapport à la police. Ici, vous avez la manipulation, le mensonge, la tromperie, le trompe-l'œil. Par rapport aux enfants. Et là, bah, vous avez les explosions, mais vous avez aussi tout ce qui est robotisé. Alors, donc apparemment, première information, ça a été orchestré par des gens, voilà, des élites, des gens riches et célèbres, famous. Hein. Alors, dans quel but? Ben, de provoquer les conflits dans la population. Marqué, c'est sorti là. Hein. Ok, de provoquer des conflits qui devraient arriver à quoi? À des décès, décidément.
Et pour aboutir à quoi? À des lois. À des lois qui vont mettre quoi en place? À des lois avec des réunions. Bon. Ok. Et tout ça pour faire quoi? Pour provoquer un changement rapide. Le moulin à vent, hein. Alors, changement rapide, mais concernant l'identité. Tiens. Qu'est-ce que l'identité vient faire là? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la carte? Un homme qui intervient. Des hommes malades. Bon, alors là, ça fait penser à autre chose. Ça... Oh oui, c'est bon, Tofi, on t'a entendu, hein? Là, il y a quelque chose. Alors, j'ai une information, mais à mon avis, j'ai pas été jusqu'au bout, là. Là, il y a autre chose. Il y a un remplacement de population qui est en train de se faire en Angleterre parce que il va y avoir des gens qui vont être de plus en plus malades. Donc, on va substituer une population à une autre. C'est ce que je vois ici, hein. Bon, mais ça, j'ai envie de dire que c'est déjà en train de se faire. Par contre, par rapport aux lois, pourquoi est-ce qu'ils veulent en fait la guerre civile, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Ah oui, c'est bien les enfants, hein, oui. Les gens qui parlent en chœur pour des enfants, je sais pas la finalité de l'histoire. Ils veulent faire passer des lois. Alors, des lois pour faire quoi? Bon, des lois qui veulent étendre quelque chose ou accentuer quelque chose. Les rénovations. Bon, alors ça veut dire que il y a bien des problèmes dans la population, mais ça ne les empêchera pas de continuer à faire leur politique de migration. Hein. C'est là. Voilà. Le petit poisson, il sort de son bocal pour aller ailleurs. Ça, c'est les gens qui vont d'un endroit à un autre. Hein. Mais je vois pas trop les lois, là. Il y a un truc qui est caché, là, sur les lois. Des lois. Des lois qui vont réjouir des gens qui sont mauvais. Bon. Ils veulent provoquer le bazar dans la population. Et ça ne les empêchera pas de continuer à vouloir remplacer une population par une autre. Mais à quoi doit aboutir cette guerre? Enfin, c'est pas une guerre civile, mais enfin un petit peu quand même, si, si, puisque c'est une partie de la population qui se bat contre une autre partie de la population. Bon, on a l'été, oui, d'accord. Une aide, un soutien. Bon, pour l'instant, c'est comme si en fait les autorités ignoraient le problème, hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils vont continuer leur politique de migration ici, parce qu'ils veulent remplacer une population qui va avoir des problèmes de santé par une autre population. Ça, c'est sûr. Donc là, vous voyez, ils sont quand même un peu embêtés en Angleterre, mais ils ne vont pas agir. Hein. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument qu'il y ait des morts, moi. Parce que c'est ça qui est sorti. Hein. Oui, avec succès en plus, bah oui. Ils veulent aboutir à quoi, là? Encore les enfants, vous voyez? Ouais, les gens. Non, mais les tournes en rond, là. Il me dit que les gens sont dans le 36e dessous par rapport aux enfants, ce qui s'est passé. Bon, on va prendre un autre jeu. Ah, bah, il faut savoir changer de. un petit peu de temps en temps, quand même. Bon, ok. Donc, apparemment, ce que mon jeu me dit, moi, c'est qu'ils ne vont pas agir pour régler le problème des migrants, qu'au contraire, ils vont laisser. Voilà, ils vont laisser. Ils vont laisser les gens être déprimés par rapport à ce qui s'est passé avec les enfants.
les gens qui sont unanimes, hein, qui parlent d'une même voix par rapport aux enfants, mais les politiciens ne vont rien faire, ils ne vont pas aider et ils vont continuer à faire leur politique de migration. Moi, c'est ce que j'ai, hein. Après, il peut y avoir des histoires de techniques, de drones, ou, parce que j'ai quand même l'intelligence artificielle ici avec les explosions. Ça fait penser à des drones, moi. Bon, ok. Mais alors, quel intérêt de provoquer des émeutes comme ça dans la population? Parce que apparemment, ça a quand même été. Il y a quand même eu de la manipulation, puisque j'avais la carte de numéro 3, là, de Umbrella Academy, qui disait que ça avait été orchestré ou manipulé. J'ai pas le fin mot de l'histoire. Alors, on va demander. Tiens, on va demander avec qui? Attendez, je réfléchis. On va demander au grand oracle français. On va changer un peu. Allez. À quoi vont aboutir? Donc, on va demander, hein, puisque si ça a été orchestré, c'est qu'il y a une finalité. Alors, à quoi vont aboutir ces émeutes en Angleterre? Ah, bah tiens, regardez ce qu'ils sont retournés. Enfermement, prison. Bon. Ok. Donc, il est bien possible que ça aboutisse à. Ah là là, j'ai malheur. Mauvaise nouvelle. À des mauvaises nouvelles. Prison, enfermement, arrestation, voire. Hein. À quoi vont aboutir les émeutes? Alors, j'ai l'hiver. Tiens, j'ai l'enfant. Tiens. Oui. Les enfants, oui. À quoi vont aboutir les émeutes? Parce qu'il y a une finalité. Hein. Ah bah encore, hein, c'est ressorti. Un enfermement. Des réflexions. Une trahison. Une stérilité. Donc moi je vous dis, hein, ils ne feront rien pour résoudre le problème. Pour contrôler l'immigration. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, on va la remettre. Voilà. Pour contrôler l'immigration, parce que bon, c'est peut-être aussi contrôlé, on ne doit pas laisser rentrer non plus n'importe qui, et notamment pas des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, ça paraît évident, hein. Mais là, c'est en contre. On va demander ici. Ah ben justement, tiens. Les habitats, les foyers, oui. Donc ça, c'est plutôt une absence de réflexion puisque c'est en contre. Donc on ne réfléchit pas, on ne veut pas réfléchir par rapport aux gens qui, justement, s'établissent en Angleterre, donc qui font leur nid, en fait, hein, qui migrent en Angleterre. On ne veut pas se poser de questions. Au contraire, trahison et stérilité. Donc on continue à trahir la population et donc on ne fera rien. Et là, les seules mesures que l'on peut prendre par rapport aux gens qui manifestent, c'est les enfermer. Bien. Alors, une alliance, un couple, la nostalgie. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui est passé, qui ne reviendra plus. Vous savez quoi en fait? C'est toujours pour détruire les couples, la famille. Hein. C'est pour détruire la vie, la famille. C'est vraiment un complot contre les familles. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que ça a été orchestré? Pourquoi est-ce qu'ils veulent monter une population contre une autre? Bon, provoquer le malheur, oui. Les pleurs, d'accord. Et une attente. Ça peut être aussi pour désespérer la population, hein. Pour mettre la population sous choc, hein. Il y a de ça, hein. Provoquer des mauvaises nouvelles, pardon, et de la tristesse, hein. C'est la cruauté, hein. C'est vraiment de la cruauté, hein. Ils savent très bien. Ce qu'ils font en fait. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est aussi une opération psychologique. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des déséquilibrés dans les personnes qui arrivent, hein,
des gens violents, voilà, des gens, enfin bref, oui, des gens qui ne sont pas sains d'esprit, et donc ils savent très bien que ces gens-là, eh bien, vont provoquer des dégâts. Donc ça, ils le savent. C'est aussi pour mettre la population sous choc. Alors là, on retrouve les histoires de loi, mais là, j'ai les questions même de litige. Faillite. Ah oui, donc bon, là, il n'y aura pas de justice. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils n'agiront pas pour résoudre la situation. Au contraire, abandon, vous voyez. La justice qui ne fait pas son travail. Donc on laisse une population, eh bien, complètement désespérée. Célébration, oui. Rencontre, d'accord. Bon, c'est aussi pour faire peur aux gens, de façon à ce qu'ils aient peur de se rencontrer ou de célébrer quelque chose, de célébrer des choses entre eux. Il faut mettre les gens un peu toujours sous qui-vive, sous crainte. Il faut que les gens aient peur. Il y a vraiment une opération psychologique de peur. Hein. Mais ça passe par la mort d'innocentes victimes. Hein. Mais je vous assure qu'il y a de ça. Hein. Alors à quoi ça va aboutir? Alors là, je parle des gens qui veulent la sécurité pour leurs enfants. Protection. Bah tiens, justement, enfant. Protection enfant, qu'est-ce que j'ai en dessous? Tiens, la mort. Ah bah tiens. Protéger les enfants, justement, de la fatalité. Oui. Crise, choc émotionnel, bah oui, c'est ce que je vous disais. Oui. Aide. Sagesse. Est-ce qu'ils peuvent provoquer, à la rigueur, ils peuvent. Ouais. Ce que je vois, c'est une aide psychologique. C'est complètement fou. Hein. Ça va être du blablabla, il n'y aura rien. Hein. De quelle façon ça profite au gouvernement? Nécessité. Amis. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. Ils vont continuer leur discours d'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Faut accueillir tout le monde. Voilà, ça va être ça. En fait, apparemment, ce que je vois moi, c'est que ces populations qui sont en train de se taper l'une sur l'autre, c'est fait vraiment pour créer de l'insécurité, de la peur et de l'insécurité. Et le but final, c'est vraiment, vraiment de faire le remplacement d'une population par une autre. C'est ce que mon jeu m'a dit, c'est ce que mon oracle m'a dit. Hein. Parce que il va y avoir un problème de maladie. C'est ça qu'ils veulent. Donc ils vont laisser pourrir la situation. Bon, moi, c'est ce que je vois. Alors, la question maintenant, c'est de savoir. Que va faire la population anglaise? Est-ce qu'ils vont se laisser, on va dire, bercer par des belles paroles, vous voyez? Bon, il y a un fardeau qu'on porte. Alors, la population anglaise, que vont-ils faire? L'impératrice, bon, il va y avoir de la communication qui va se faire. D'accord. Donc, la population anglaise, là, qui est vraiment furaxe. Par rapport à ce qui est arrivé aux trois petites, que vont-ils faire les gens? Changement. Alors, ça peut montrer justement les gens. J'ai l'impression que les gens ne vont pas pouvoir agir. Mais dans un premier temps, les gens. Attendez. Les gens ne vont pas pouvoir.
les gens risquent d'être maltraités. Vous voyez? Et regardez ce que j'ai après. Changement qui va passer pour un durcissement des mesures. Un despotisme. Ici. Bon, après, il y a des mesures financières qui arrivent là-dessus. Hein. Les gens, ouais, vont avoir beaucoup, beaucoup de mal. Les gens vont essayer de se soutenir les uns avec les autres. Hein. Mais on voit que ça va être très compliqué. Parce que, d'abord, ils vont être arrêtés, certainement. Hein. Il y a certainement des gens qui vont être arrêtés dans la population, là, qui manifestent. Mais en plus, ensuite, il va y avoir un changement qui va apporter encore une fois un durcissement. Le roi d'épée, c'est un homme qui est dur et autoritaire, qui veut mettre les gens sous contrôle. Et ensuite, à mon avis, il y aura des choses financières là, qui vont arriver. Ouais. Bon, ben, moi, les pauvres Anglais, ils sont mal partis quand même. Hein. J'ai le mois de septembre, là. Ça peut durer encore jusqu'en septembre. Mais vous avez vu, hein, c'est voulu en fait pour d'abord ils vont continuer. C'est voulu pour déprimer la population, pour la mettre sous choc, pour la rendre, on va dire, pour la rendre craintive, pour la rendre agressive, pour la rendre méfiante. Et en même temps que les gens, ben, sont préoccupés par les questions de sécurité pour leur famille, eh bien, ouf, pouf, ils continuent avec finalement imposer toujours leur politique, vous avez compris, qui va provoquer un remplacement de population par une autre. Et par-dessus ça, il va y avoir davantage encore de restrictions, de répression. Donc ça va être dur, hein. Et c'est aussi pour éviter que les gens ne se rassemblent, donc ne font des fêtes, ce genre de petites fêtes innocentes, hein. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, au JO en France. Alors, on avait tous et toutes, cartomanciens, pardon, médiums, voyants et tout, on avait tous et toutes dit que ça allait très mal se passer, ces JO, et qu'il y aurait certainement des tentatives de datant sur le tas. Bon. Il y en a eu qui ont toutes été déjouées. Il y en a deux, trois. J'ai vu ça dans les journaux. Donc, il y avait bien des gens qui prévoyaient, effectivement, de saboter ces JO. Mais qu'a fait le pouvoir en place? Ils ont mis des mesures drastiques. Bon, déjà avec leur QR code qui fonctionne pas, bon ça c'est une chose, mais surtout ils ont mis des grilles partout et ils ont mis des policiers partout. Donc ça veut dire déjà qu'on est surveillé, donc ils ont dû nous écouter. Mais ça veut dire surtout que les gens acceptent pour des questions de sécurité, d'être mis derrière des grilles, ou d'être contrôlé à outrance et de voir la police partout. C'est pas bon signe, hein. C'est un test, les JO. C'est un test. Et vous allez voir que les mesures de répression en France, bah, ça va être de pire en pire. On ne pourra plus dire ce qu'on veut. Enfin, déjà, on ne peut pas. Ou on ne pourra pas écrire ce qu'on veut. Il faudra faire très attention. Et je pense que c'est ce qui va arriver en Angleterre. On va demander, est-ce qu'en Angleterre, il va y avoir des restrictions qui vont être davantage imposées? Ah, il y a de la colère quand même. Hein. Ah ouais, il y a de la colère. Hein. Ah tiens, tiens. Alors c'est marrant parce que j'ai le Blue Beam, moi. Ah, regardez ce qui est sorti là en dessous. Ah, comme c'est bizarre. Vous avez vu la carte là? Elle voulait nous faire un petit coucou parce qu'elle nous prévient. Je vous ai dit, hein, 2025. Et la guerre, moi, je verrai plutôt en 2026. Comme ça, vous avez toutes les infos. Hein. Venez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Hein. Bon. Enfin, bref. Bon, bah, ça, c'est le mélange des religions aussi, hein, le Blue Beam. C'est le mélange des religions. Oui, bah, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent imposer une religion mondiale. D'accord. Bon, de la colère. Ok. Alors. Mais moi, ma question, c'était, est-ce qu'il va y avoir un durcissement des mesures de contrôle en Angleterre? Donc, suite, évidemment, à ces émeutes. Hein. D'accord? Alors, des gens qui travaillent, des pompiers. Ah bah tiens, la prison. Elle était sortie déjà à la prison avec le grand oracle français. Hein. La prison, l'enfermement. On sauve les gens en les enfermant. Oui, bon, mais d'accord.
Ouais, regardez. Ça, c'est le confifi. C'est en fait, on empêche les gens de se réunir. Enfin, c'est pas forcément les hommes avec les femmes, hein. Ça peut, hein. Mais c'est aussi, surtout, on empêche les gens, vous voyez, de manifester ou de se réunir, là. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. D'où le prétexte de les sauver. Et on s'en lave les mains. Bah voilà, c'est ça. Ponce Pilate, ouais, nouvelle carte. Donc là, on se lave les mains des dégâts collatéraux. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Alors, ils vont nous coincer avec les histoires d'urgence climatique. Je vous avais dit le e-wallet. Pardon, le e-wallet. Je vous avais dit, hein. Donc, c'est le pass carbone, machin, truc chouette. Enfin bref, vous avez compris, il y a tout dedans. Les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont en danger. Mais ça, on le savait déjà, hein. En fait, vous avez vu ce qui s'est passé aussi au JO avec la femme boxeuse, là, enfin les deux femmes, mais il y en a une qui a des chromosomes XY. Voilà quoi, donc ça donne quand même un avantage, hein, au niveau de la masse musculaire et tout. Donc la pauvre autre femme, on va dire, je vais me faire allumer dans les coms, mais enfin tant pis, eh bien elle s'est faite massacrer, quoi. C'est honteux, vraiment honteux, hein. Les hommes physiologiquement n'ont pas la même masse musculaire. C'est comme ça, c'est biologique, on n'y peut rien. Voilà. C'est honteux ce qui se passe. Moi je dis, il y a un complot contre les femmes et les enfants. Voilà. J'en suis sûre. Hein. Oh là là. Bon, bah d'accord. Bon, bah c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Les femmes et les enfants sont vraiment en danger. Ouais. Mais ces gens-là, ils détestent les femmes et les enfants, donc c'est tout. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a toujours la carte bien de la population, donc ça va durer encore, hein, vous voyez. Toujours ben, plus ou moins la guerre civile. Les gens qui se révoltent, ça c'est la population qui se révolte. Mais il y a aussi une zombification. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment la volonté de remplacer une population par une autre et de continuer à zombifier la population. J'aime bien cette carte-là. Puisqu'en fait, ça, ce sont les gens qui perdent leur humanité, notamment du fait du smartphone. Vous avez les gens ici, vous voyez, qu'il y en a encore des qui sont humains, qui se transforment peu à peu. Voilà. On va vers une société qui va devenir de plus en plus inhumaine, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l'ère du Verseau, ce n'est pas une aide, pardon, ce n'est pas une ère de fraternité ou d'amour, c'est l'inverse. Vous n'avez pas compris ce que c'est que l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère qui va être technologique et qui va être régie par l'intelligence artificielle et par également, eh bien, l'égocentrisme à outrance. Ben oui. Moi, je suis désolée, hein, c'est ce que je vois, hein, c'est ce que je vois, et je vais vous dire que les faits me donnent raison, puisque je vois de moins en moins d'empathie, de moins en moins d'entraide, de moins en moins de gentillesse. Il n'y a qu'à voir les commentaires que j'ai eus en pleine figure, et puis alors, je passais mon temps à faire du nettoyage, mais j'ai pas que ça à faire quand même, hein. Donc, si ça continue comme ça, je n'autoriserai plus les commentaires, quoi. C'est vraiment fatigant. Donc moi, je trouve qu'on va vers davantage, eh bien, de déshumanisation. Regardez par exemple avec les enfants, et c'est pas faute de prévenir depuis plus d'un an, quand je vous dis que les enfants sont en danger, mais il n'y a pas de sursaut national. Tout le monde s'en fout. Alors moi, je ne sais pas, mais ça devient grave quand même. Si les gens ne sortent plus dans la rue pour défendre leurs enfants, et ils le font en Angleterre, et c'est bien, mais en France, ils ne l'ont pas fait. Ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait pour la petite Lola. Ils ne l'ont pas fait pour le petit Émile. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, excusez-moi. Hein. Et ils ne le feront pas non plus pour le programme qui arrive à la rentrée. Malchance. Bon. N'y a pas d'union. N'y a pas d'union. Et en Angleterre, en fait, c'est toutes les villes qui devraient se soulever. C'est pas certaine, c'est partout, c'est tout le monde. Mais j'ai presque envie de dire que là, c'est trop tard, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, d'accord. Bon, bah, on sait qui est à la manœuvre. Hein. On sait qui est à la manœuvre.
Alors, le printemps 2025, il faudra faire attention. Là, c'est quand on accueille encore d'autres personnes. Voilà. On accueille encore d'autres personnes. Et on essaie absolument de changer une ligne de temps pour arriver vers quoi? Voyez la bêtise, l'abrutissement de la population, ça. Ils veulent rendre les gens complètement débiles, en fait. C'est pour ça que c'est important de continuer à s'informer, à réfléchir, et surtout, surtout, ben voilà, regardez, rendre les gens, et j'allais dire surtout, surtout, de continuer à prier, voyez. On veut rendre les gens de plus en plus idiots, soumis et diaboliques. Bon, ben, j'ai tout dit, hein. Bon, tout ça, c'est un plan. Alors, ben, la façon de combattre, je viens de vous le dire, hein. Prier. Voilà, je vous assure que c'est important. Alors, il y en a encore qui disent, je suis athée. Bah oui, mais qui vous a créé, à votre avis? Réfléchissez un peu quand même avant de me dire des grosses bêtises comme ça. Hein. Vous n'êtes pas né comme ça du jour au lendemain, il y a un créateur. Hein. Donc, essayez un peu d'ouvrir votre esprit, votre cœur, parce que franchement, on va pas s'en sortir avec des gens comme ça. Hein. Si on ne se relie pas à Dieu et à Jésus, notre Sauveur, on ne s'en sortira pas. Bon, moi, je pense de toute façon qu'on va vers les tribulations. Donc, comme ça, c'est réglé. Hein. Voilà. Il faut qu'on fasse l'union, vous voyez. C'est ce que je me dis. Il faut qu'on fasse l'union. Alors, par contre, j'ai l'argent, là. Ah, bah, d'accord. J'ai l'argent digital qui arrive, là. C'est sorti. Hein. Ouais. Bon, bah, trop tard pour l'union. Hein. Ouais. Il va y avoir le gel des communications. Ils vont nous tenir avec, vous voyez, l'argent numérique et le gel des communications. Donc c'est pour ça, vraiment, profitez-en là maintenant. Allez dans les églises, allez vous confesser, faites le chapelet, prenez l'hostie, donc l'eucharistie, quoi. C'est très important parce qu'à un moment donné, à mon avis, les églises seront interdites, je pense. Ça va arriver, ça. Le Titanic, voilà, c'est parlant hein, comme carte. Le Titanic, voilà, tout va crasher et il y en a qui vont garder leur tas d'or. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Là, des jeunes gens, la jeunesse et la surveillance. Bon ben voilà, ils vont instaurer une surveillance totale et ils vont nous dire que c'est pour nous protéger des bandes de voyous. J'ai fini cette vidéo, je voulais pas faire trop long. Vous avez toutes les infos. Moi, je continue à prier. Il faut garder aussi une paix intérieure. C'est très important. Et surtout, surtout, il faut garder notre humanité. Voilà. C'est le plus important. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.